Bonjour tout le monde et bienvenue sur La Passion du Rail, votre chaîne ferroviaire. Dans cette vidéo, je me trouve 2 ans après ma première visite à la rotonde de Montabon-Château-du-Loir. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous laisse un lien en haut à droite de l'écran pour aller la visionner. Pour rappel, dans la première vidéo, le président de l'association Bruno Duru nous expliquait que des travaux de toiture allaient commencer. Aujourd'hui, la toiture est terminée et on va vous montrer ça. Mais d'abord, je laisse la parole à Bruno. Je suis Bruno Duru, le président de la rotonde ferroviaire de la vallée du Loir, et donc situé à Montabon-Montval-sur-Loire, bâtiment classé monument historique de 1890. Donc nous avons eu l'honneur et l'avantage d'être choisis par la Fondation du patrimoine et la Mission Berne pour des travaux d'importance sur le bâtiment, qui sont maintenant achevés pour 99%, c'est-à-dire que toute la toiture est refaite. C'est en cours actuellement les bardages des pignons qui vont demander une dizaine de jours. Parallèlement, il y a eu les réseaux qui ont été refaits et là ils sont en phase de finition. Donc maintenant on a un bâtiment qui est hors d'eau, hors d'air. Et on peut entamer une suite au projet de rénovation. La charpente d'aujourd'hui est identique à celle qui a été montée à l'époque lors de la construction de la rotonde, ou pas du tout, les plans ont été changés ou... Ah non. La charpente métallique est d'origine, hein, donc 1890. Il y a eu quelques travaux dessus, puisque comme la rotonde a été bombardée en 1944, donc il y a eu quelques soucis de droite et de gauche, mais elle n'a pas été refaite. Il y a eu des renforcements ou des réfections très localisées. Et la couverture a été refaite strictement comme à l'existant de 1890. D'accord. Parce qu'en 1945, quand la couverture a été refaite suite au bombardement, ils avaient changé les verrières de place. Donc là, on a remis les verrières comme elles étaient à l'origine du bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a 10 verrières sur la partie nord, alors qu'avant, il n'y avait pas, en 1945, il n'y avait pas, en fait, je pense, par souci d'économie. D'accord. Il y a d'autres travaux qui sont prévus à l'avenir ou qui sont en train d'être faits, du coup? Oui, tout à fait. Alors donc, il y a un projet global qui est accepté par un permis de construire, d'ailleurs, hein. Prévoit la réfection totale de la rotonde, jusqu'aux poignées de porte et à la couleur des fenêtres. Donc ça va s'enchaîner derrière. Maintenant qu'on est hors d'eau, on peut prévoir. Seulement, on va se buter très vite sur le problème des financements. Donc on va faire des multiples tranches de travaux qu'on essaiera de faire financer au fur et à mesure des possibilités. Sans parler de la rotonde, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, il y a un an et demi à peu près, on avait parlé d'un projet d'envergure qui était la possible mise en place d'un chemin de fer touristique. Alors c'est toujours d'actualité. D'accord. Les contacts sont pris avec la SNCF pour avoir cette autorisation. C'est assez compliqué à mettre en place et à obtenir les bons interlocuteurs, mais c'est en cours. On va essayer de le faire en deux phases, enfin même trois phases. Une première phase qui serait l'occupation partielle du dépôt de Château-du-Loir, qui est complètement inoccupé par la SNCF. Et donc on aurait possibilité d'obtenir une partie de cette surface avec entre autres deux voies, celles qui sont en raccord avec la rotonde, qui permettrait de circuler sur 400 mètres. C'est pas le bout du monde, mais déjà, ça nous ferait une aire d'évolution, de démonstration. Et après, on passerait donc à l'étape suivante, qui serait l'occupation de la ligne qui va jusqu'à Chenu, où là, il faut mettre en place beaucoup de choses. Donc on souhaiterait d'abord, dans un premier temps, mettre en place un vélorail, qui est plus simple et moins coûteux, avant d'envisager un vrai chemin de fer touristique avec locomotive, etc., etc. Donc ça, c'est du moyen terme, sachant qu'on s'est monopolisé là sur les travaux de la rotonde, donc on n'a pas porté un gros effort sur cette partie-là pour l'instant. Il y a une partie des travaux qu'on exécute nous-mêmes pour un problème de coût, hein. Ça ne nous laisse pas spécialement le temps non plus de faire trop
d'autres choses et surtout de faire les prévisions à long terme qui sont toujours compliquées à mettre en œuvre. Sur le projet du chemin de fer touristique, vous avez déjà une idée de quel matériel pourrait circuler après le passage en vélo-rail, ou c'est encore des choses, des petits détails qui se régleront au moment venu? On a des idées. Alors bon, reste à voir comment on va les gérer au niveau achat de matériel, parce que là, on n'a pas ici les matériels, on n'a pas de wagons bien adaptés. On a des wagons plats qu'on avait récupérés pour pouvoir les transformer en baladeuses, c'est-à-dire on met des sièges dessus, etc. Mais ce n'est pas suffisant, il nous faut des vraies voitures voyageurs. Donc ça, pour l'instant, on ne s'en est pas occupé. Il faudra qu'à un moment, oui, on commence à s'en occuper. Mais ça sera vraiment une troisième étape, ça. D'accord. Il nous faut d'abord acquérir les compétences, puisque on est de tous les bénévoles de l'asso, il n'y en a quasiment pas qui sont issus du chemin de fer. Donc là, il faut partir de zéro pour obtenir les autorisations et les compétences de conduite, quoi, en fait. En parlant de bénévoles, c'est une excellente transition. Est-ce que je suppose que, comme toutes les associations, vous êtes en manque de bénévoles et vous en recherchez activement? Qu'est-ce qu'il faut pour être bénévole à la Rotonde? Alors, effectivement, on est toujours demandeur. Hein. Alors, en fait, on ne demande pas de compétences particulières, dans le sens où il faut de la bonne humeur, déjà, parce que c'est quand même important. Et puis, une volonté de s'inscrire dans le développement de la Rotonde et puis d'apprendre au contact de ceux qui savent un peu plus. Donc on a un peu là actuellement tous les horizons de profession. Sur l'année, on compte plus d'une trentaine de bénévoles qui à un moment ou à un autre viennent travailler à la Rotonde. Donc travail qui s'effectue 2 jours par semaine et autrement des jours autres suivant les besoins. Et qui sont toutes disciplines. Hein. On passe de la maçonnerie à la peinture, à la soudure, à la manutention de matériel, la mécanique, j'en passe et bien d'autres. Donc là, effectivement, comme beaucoup d'autres assos, on est demandeurs de bénévoles. Hein. C'est la base même de notre de la Rotonde, c'est que tout est basé sur le bénévolat, y compris les guides de visite, puisque pour faire les visites, ce sont des guides de l'association qui ont potassé en long et en large toute l'histoire de la Rotonde et de son environnement. Et donc là aussi, on est demandeur de personnes qui veulent s'investir dans les guides et et raconter un peu l'histoire de la Rotonde et de ses composants. Dernière chose, on va finir là-dessus. Vos périodes d'ouverture au public? Alors, nous sommes ouverts systématiquement tous les mercredis et tous les samedis après-midi, toute l'année. Ça, c'est systématique. Autrement, sur rendez-vous. Alors, rendez-vous par téléphone ou par mail. Et l'été, nous sommes ouverts à temps complet tous les jours, même jours fériés. Hein. En juin, juillet, août, qui sont les périodes les plus propices aux visites. Et autrement, sur rendez-vous, on a régulièrement des demandes pour d'autres jours. Hein. D'accord. Merci, Monsieur Duru. Eh bien, je vous en prie. Et c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à la chaîne La Passion du Rail. Comme d'habitude, les réseaux sociaux Instagram, Discord et la chaîne Twitch se trouvent en description. Si vous voulez contacter la Rotonde de Montabon, je vous laisse également les liens de contact en description. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.